Et aujourd'hui, on présente, à l'occasion de nos 40 ans d'existence, un meeting d'aéromodélisme. On a des clubs qui sont venus de Creil, de Normandie, de Belgique, de la région des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, on présente donc des avions en maquette, des avions de voltige. On a également des cartes, des Mario Kart. Aujourd'hui, c'est une journée de découverte pour le public. Et pour nous, c'est notre rendez-vous annuel où on partage notre passion. Le modélisme pour nous, c'est de la maquette, c'est des avions anciens. C'est la reproduction un petit peu de l'histoire de l'aviation que le modélisme a la particularité de pouvoir faire revivre en vol avec les mêmes impressions, les mêmes sensations. Savoir un petit peu comment volaient les gens il y a un siècle maintenant. Donc vraiment les pionniers de l'aviation. Mais je ne me rappelle pas dans mon enfance de ne pas avoir regardé un avion voler une seule fois. Et puis un jour, on m'a dit qu'on pouvait en construire, je l'ai fait. Et c'était l'ouverture merveilleuse vers la maquette. Donc on s'est lancé là-dedans et on y a mis, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est un loisir familial, un loisir technique. C'est quelque chose d'assez merveilleux, puisque voler, c'est quand même ce que les gens essayent le plus de faire. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a un site qui va sortir qui va s'appeler ABMC Aéro. Et également, vous pouvez venir nous découvrir à notre salle à Armentières, au 56 rue Jules Ferry. Le mercredi après-midi, j'anime une permanence où vous pouvez venir découvrir notre passion, comment on construit, comment on fait voler des appareils multiples comme les hélicos, comme les drones, comme les hélicoptères.